Salut à tous, vous nous faites l'amitié de nous suivre. Vous avez raison, nous sommes à Wembley, le Wembley Stadium qui affiche complet aujourd'hui. Pour vous commenter ce match, Hervé Matou, c'est moi, Pierre Ménès, c'est toi. Salut Pierre. Ces deux nations qui se retrouvent en match amical. L'occasion pour elles de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances. Ah, ça promet quand même du spectacle, hein Pierre. Ouais, on a vraiment hâte qu'il commence ce match. Allez, on y va. Kyle Walker, Mason Mount, changement d'aile, Sterling, oui bien fait ça, on aura bien sûr un œil sur Sterling, l'ailier anglais d'origine jamaïcaine. Ouais, un joueur qui a clairement changé de dimension sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ah ouais, bien défendu. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Sterling. Il va y aller. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. On voit le joueur qui fixe le gardien avant de donner dans le bon timing à son coéquipier. Ouais, à 2 contre 1. Après, le but est grand ouvert. Ils ont joué le coup avec lucidité. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Mason Mount, Declan Rice, la bonne passe lobée dans le dos de la défense, ouais, oh bien joué, il était temps, et le drapeau qui s'est levé, j'aimerais bien revoir ça. Mateo Kovacic, Brozovic, avec Sergio Busquets. Le flacon qui décroche pour participer au jeu. Mateo Kovacic. Voilà, bonne protection de balle là. Andrei Kramaric. Il choisit la frappe. Oh oui, but! L'égalisation! Un défenseur complètement à la rue hein, sur cette action. Ouais, le buteur a remporté son duel et puis il est parvenu à tromper le gardien. C'est parfaitement joué. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Kieran Trippier. Action anglaise qui pourrait devenir dangereuse. Declan Rice. Jadon Sancho. Ok, la bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Sterling. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Mateo Kovacic. Avec Sergio Busquets. Andrés Kramaric. C'est un ballon par-dessus, c'est pour Perisic. Peut-être la passe lobée. L'occasion de prendre l'avantage. Marcelo Brozovic. Attention à la frappe. Ah, c'est contré. Kramaric. Et c'est encore lui sur le ballon. Pas très inspiré les Anglais. Là, avec ce ballon perdu directement. Ah, il protège bien son ballon là. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Declan Rice. Connor Kouadi. Ouais, c'est joué par-dessus. Le bon tacle.
Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Vasco. Ouais, belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Marcelo Brozovic, c'est contré. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical. Ouais, une rencontre internationale de grande qualité. Il a signé une bonne première. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. On a perdu. Sterling. Le bon ballon en profondeur. Et non, ça va s'arrêter là. Ivan Perisic. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon ? Ouais, belle sortie. Sterling. Un petit peu d'espace devant lui. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Harry Kane. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Il faut trouver une ouverture. Il est parti trop tôt, dommage. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Andrés Kramaric. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, tout le monde participe à cette séquence de passes. Declan Rice. Kyle Walker. Jadon Sancho. Avec Harry Kane. Kane. Declan Rice. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane qui marque. Ah, les ballons comme ça, il sait les exploiter. Regardez, c'est bien joué en doublant les passes. Ils ont fini par trouver l'ouverture. Après, c'est le talent de Harry Kane qui fait le reste parce qu'il y avait encore du boulot à faire quand même. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Andrés Kramaric. Andrés Kramaric. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajouts. Allez, l'occasion marquée avec ce duel. Allez, le but de l'Angleterre. On revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage. Ivan Perisic. Modric. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Andrej Kramaric. Attention, ça peut devenir intéressant. Ah, duel gagné, il prend le ballon. Non, elle a été interceptée cette passe. C'est un ballon par-dessus, c'est pour Perisic. Oh, la parade exceptionnelle. Oh, quel arrêt. Ah, c'est magnifique et d'ailleurs ses coéquipiers le félicitent. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu.
Les Anglais qui vont essayer de créer le danger. Ballon bien négocié par le gardien. Andrés Kramaric. Kramaric. Brekalo. Pour Perisic. Perisic. C'est pour Josip Brekalo. Avec Ivan Perisic. C'est parti dans la surface. Il a préféré dégager ce ballon. Harry Kane. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. Pierre, je voudrais qu'on revienne un petit instant sur la prestation de Raheem Sterling. Tu l'as trouvé comment ?